Boomerang. Ah d'accord, c'est pas ça, met des tapis, ok, excusez-moi. Bleu. Gold. J'ai dû rater quelque chose, je ne vois malheureusement pas les tapis. Mais enfin voilà chers amis, vous pouvez voir à quel point le truc est bien organisé. Il est beau, que c'est bien foutu. Putain, c'est quand même ultra intelligent. Personnellement j'adore, et je vais m'amuser comme un petit fou à décorer, cette baraque. Et faire en sorte que toute ma famille vive très heureuse et... Oula. J'ai donc escaladé tout en haut. Qu'est-ce qu'on découvre? Une commode. Avec dedans des vêtements de tenancier. Tout ceci ne fait aucun sens. Un coffre vide. Un tonneau. Des rayons de miel. J'imagine que c'est un endroit pour y ranger du bordel, mais... tout ceci n'étant pas foncièrement nécessaire, c'est un peu inutile. Et ben voilà, honnêtement, c'est quand même ultra la classe cette maison. Je sais que les gens vont pouvoir y être heureux. Par contre, ça me fait chier que ça se soit toujours encore le bordel et que je sois bien incapable de le nettoyer. Ça me pose un certain souci. Je suis sûr c'est parce qu'il y a un truc à faire que j'ai pas encore tout compris. Car là, il y a un évier, ça c'est bien. Je suis sûr il doit y avoir un balai, une connerie dans ce genre. Shopping surface. Non. C'est pas très important. Et voyons voir au sous-sol, enfin. Enfin, chers amis, au sous-sol. Oui, c'est une véritable balade. Balade au frais, au tréfonds, chers amis, de notre sous-sol. Et oula. Il fait quand même très sombre. Ah, quand même, c'est mieux. Craft station. Unpack this crafting station from storage. Oui, 2 heures. 2 heures plus tard. Oula. En seulement 2 heures? Ah non! Ah non, d'accord! Ah, c'est dans mon... Ah, putain, c'est dans mon... D'accord! Je les ai étendus sur la table. Ils étaient au sous-sol, chers amis. Tout ce bordel était donc... Tout ce joyeux bordel était au sous-sol. Et donc, il a fallu que je le monte à l'étage pour le mettre sur la table qui a été construite. Donc, il faut que je retourne dans le sous-sol. Parce que j'ai encore plein de choses à y débloquer, en fait. Retournons-y. Excellent! Excellent, excellent, excellent. Du coup, ça nous laisse de la place dans le sous-sol. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir y construire. Mais j'espère en tout cas que ça va pouvoir être intéressant et joli. Là, il y a du bois. Là, il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a rien à en faire de ce sous-sol. Staff enchanteur. Est-ce que tu veux le paquet du storage? Oui. 1 heure plus tard. Ah, bah voilà. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait ici. Oh well. Hop, tec 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 tec. Ah, vous allez adorer cette maison. Moi, je l'adore déjà. Je ne peux que la conseiller à ceux qui jouent encore à Skyrim. Il n'y a que les imbéciles comme moi, apparemment. Et workbench. Il va falloir que je la défasse du storage. Et ça, ça mène... Ah oui, le midori. C'est ça, le... Voilà. Faire chauffer la bière. Utiliser des recettes à bière. Oh, je peux en faire. Le rêve de Dagon, putain. Ça a l'air ultra power, ça. Dagon, la réserve de Morskrom. Restance de dégâts de glace pendant 20 secondes. De la bière. Sanguine Sunshine. Thunderbolt Brew. Et vin de sang argonien. Oh, pas mal, ça. Pas mal ça. On va faire un petit peu un Thunderbolt Brew. Allez. Je le prends. Je sais que je suis censé être trop lourd et que je suis pas censé me déplacer et que je suis toujours en God Mode. Je m'en excuse, chers amis. Mais tout ceci fait un sens. Les assiettes en bois. C'est donc ici que tout se range. Tout se range automatiquement. Ça aussi, c'est génial. Inspecter la workbench. Hop, on la monte. En 1 heure, c'est monté. Le mec, il met 4 heures pour faire une armoire, mais il met 1 heure pour monter un bordel pas possible. Bah voilà. Là, ça ressemble à une salle de forge. Moi qui me disais aussi que c'était un peu vide. Regardez, les cuivres, les lingots, les minerais. Putain, les cœurs de Dédra, les os, les trucs comme ça sur les bords, un établi, crafting materials, et ben voilà. Et ben voilà, du firewood. Bon, il n'y en a pas plus que ça, mais je veux dire, voilà, là ça rend bien.
Qu'est-ce que je peux construire avec tout ça? Ah, cook accommodation. Ça y est, je peux enfin faire le sous-sol. Le sol du sous-sol. Allons-y. 5 heures plus tard. Et enfin, toutes les accommodations de cuisine. 5 heures plus tard. Vous n'avez pas vérifié votre mail depuis un certain temps. J'en ai rien à foutre. Je ne souhaite pas recruter des gens, j'ai déjà bien assez de larbins pour faire 10 000 fois mon boulot. Sans qu'en plus je fasse de la merde par-dessus. Tanning rack, je peux en servir pour améliorer la maison? Apparemment non. Très bien. Non, moi le seul truc qui me gêne, c'est le nettoyage. Le nettoyage là du... Bon, j'allume le four. C'est quoi ça? Oh, un poivrier! Putain, tout ceci est tellement sympathique. Oh putain, des couverts! Waouh, mon dieu. Mais comme quoi, les modeurs, ils vont tellement plus loin que les gens du jeu originaux. C'est la violence, hein. C'est quand même la violence. Putain, par contre, il y a de la merde de partout, là. Faut... Comment je peux virer ça? Il n'y a pas de balai, il n'y a rien? Non. Apparemment, il n'y a rien pour enlever tout ça. Ce n'est pas très grave. Ça ne dénature pas non plus trop la cuisine, je trouve. Surtout que le truc est déjà vachement beau. On peut en plus recustomiser son personnage. Alors bon, après, c'est la logique de Skyrim. C'est-à-dire que vous passez 3 heures en face d'un comment ça s'appelle ? En face d'un petit bassin, vous pouvez changer la taille de votre nez. Oui, voilà. C'est du maquillage de l'extrême, en fait, chers amis. Du coup, puff, faut y avoir. Ah, le sol qui est devenu d'excellente qualité. Voilà qui fait plaisir. Cette pièce ne sert donc à rien. Un cabinet, une armoire, des vêtements, une armoire, un lit pour un larbin, ou une larbine en l'occurrence. Un hôtel de Zintar, parce que c'est quand même classe, faut pas déconner. Puff, et enfin la Midori. Non mais c'est très très bien. C'est très 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 bien. Je me dis que Valdimar et Aella vont dormir dans ce plumard et puis ça va être vendu. Quand ça lit à quelqu'un. Il est qui ce lit? Il est avec qui ce lit que je le décapite? Ça ne fait aucun sens. Mais enfin, c'est pas très très grave. Il m'a semblé entendre un bruit, mais ça devait être moi. C'est pas très important, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, c'est quand même ultra classe, il faut le dire, il faut l'avouer. Et je vais maintenant procéder en ellipse à l'expérience de je mets ça dans le méga coffre et c'est censé tout ranger automatiquement, chers amis. Sur ce, à tout de suite. Kaka, bah alors Lennon, tu finis les épisodes à la piste, tu les coupes n'importe comment? Qu'en pensent les commentaires YouTube? Kaka, c'est bien ce que je pensais, kaka. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, encore une fois dans une session Skyrim en plein milieu d'épisode, parce que j'ai aucun respect pour la continuité, pour vos oreilles, pour votre installation, ou pour ceux qui regardent cette émission pour s'endormir. Voilà où vous pouvez vous le carrer, ce respect. C'est ça qui est bon. Aujourd'hui, on travaille sur la maison. On va planter des couvrons et monter des lampions. J'ai plus de rime en ond, du coup je passe pour un con. La la la. Je suis encore malade de 2015. Je suis encore malade du nouvel an, chers amis. Du calme. Lennon, t'es plus tout jeune. Du calme, t'as 27 ans, bientôt 28. Je sais que beaucoup de gens te disent que tu les fais pas. Perso, je trouve que je les fais. Mais bon, après, faire son âge, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il faudrait, dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un homme qui soit un maître étalon de l'âge. Tu vois ce que je veux dire? Faire son âge, c'est-à-dire, waouh, vous faites vachement plus jeune pour votre âge. Oui, mais par rapport à qui? Tu vois, c'est la question. Parce que si moi, je fais plus jeune par rapport à un Japonais, ça veut dire que j'ai 10 ans et demi. Les Japonais, ils ont 20 ans pendant 40 ans. Tu vois, par exemple, c'est un truc de fou, ça. Oh mon dieu, petite dose de racisme, c'est toujours gratuit. Mais c'est du racisme positif, c'est-à-dire qu'il reste jeune longtemps. Par contre, à 40,364 jours, à 41 ans, d'un coup ils deviennent vieux. Voilà, c'est comme ça, c'est magique. Pareil pour leur gonzesse, c'est quand même formidable ça. Du coup, après un début d'épisode du Nawak comme ça, la dernière fois je vous avais arrêté sur une coupure, ou plutôt la dernière fois, en plein milieu de cet épisode, hein, je vous ai arrêté sur une coupure.
Ouais, qu'est-ce que ça ferait? Oui, c'est ma voix, ça. Oh, qu'est-ce que ça ferait si je mettais tous les objets dans l'auto-conteneur et qu'on faisait voir tout ce que ça donnait? Eh ben, ça donne absolument rien du tout parce que l'auto-conteneur ne marche pas. Ou plutôt, il ne repère que les noms des objets anglais et du coup, moi, il m'envoie me faire foutre avec tous mes objets français. C'est pas très grave. Depuis lors, chers amis, j'ai installé plusieurs mods. Oh, encore des mods, Bob? Oui, ça nous amène au rang de... enfin, au nombre incroyable de 378 mods. Merci, Nexus Manager. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Enfin si, je sais très bien ce que j'ai, je suis malade. Et du coup, ma dernière invention est un mod qui me permet de renommer les choses. Pas la dernière invention, ma dernière installation est un mod qui me permet de renommer les choses. Et je me suis fait chier à renommer tout ce qui existait dans cette baraque. Par exemple, ça c'est un fauteuil. Avant c'était marqué lounge chair, tu vois. Et ça c'est un fauteuil. Et ça c'est un coffre magique qui ne marche pas. Et ça c'est un porte-clés, ça s'appelait un keyholder avant. Et ça c'est un registre des reculs. Vous pouvez vérifier dans les vidéos précédentes, hein. Enfin, même au début de cette vidéo, vous pouvez vérifier. Ça ne portait pas les noms que ça portait. Voilà, ça c'était un truc à chaussures, donc c'est un meuble pour femmes. Voilà, je parle d'expérience, bref. Ça c'est un four à l'ancienne, ça c'est un placard. Ça, j'ai lu drawer pendant une seconde. C'est quoi ça? Hop, regardez comment ça marche. Tiroir. Tadam! Voilà, je vais vous donner le nom du mod. Comme ça, vous pourrez peut-être l'installer vous-même. C'est dans les Jackson's Utilities. Et ça s'appelle Jackson's Renamer. Voilà. Et c'est absolument ultime. Ça vous permet de renommer tout et n'importe quoi, que ce soit les PNJ, les armes, les objets, les choses, tout. Par exemple, un drawer, en français, c'est un tiroir. Voilà, merci. Cupboard, en français, on dit c'est un placard, mais. Placard. Voilà, fuck this. Hein, voilà, placard, tu vois. Sac, tout ça, machin, tu sais, et tout. Et du coup, voilà, ça nous permet de un plan, une table, non, c'est un plan de travail. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça une table de travail, plan de travail. Voilà, et je me suis fait chier pendant un binouze. Voilà, ici, c'est la binouze, chers amis. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là, par exemple, vous voyez, c'est la table du salon. Hein, ça, c'est une chaise de femme. Ça, c'était une deuxième chaise de femme pour plusieurs femmes. Ça, c'est une chaise pour les enfants, pour plusieurs enfants. Et ça, c'est le fauteuil de l'homme, tu vois, l'homme de la maison. Voilà, l'homme qui est complètement présent. Ouais, Bob, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, il m'est arrivé que, je sais pas vous, chers amis, mais mon héros, il a passé 3 mois, 3 mois et 56 jours à bidouiller l'intérieur de la maison. Du coup, il ressemble à ça, voilà. Il a du poil à la barbe, il a du poil sur les muscles, il a les cheveux longs, il ressemble absolument à rien, il fait grudu parce qu'il a passé 800 heures à monter ses meubles et il s'est pas encore lavé le cul. Il est juste passé une fois aux chiottes. Donc, chers amis, ça vous permettra de vous montrer la fonctionnalité de comment on fait pour changer d'apparence. Regardez, mais il est classe comme ça. On dirait taurin et coup de chaîne. Voilà. sans la petite bite. Ah, c'est pour ça. Quoi que paraît-il que les nains ont une grosse, je ne sais pas. Donc, toutes mes excuses pour la coupure un petit peu abrupte. Il a fallu que j'éternue, en fait, c'est pour ça. J'ai aussi installé un autre mode qui me permet, à volonté, d'activer une lumière magique. Oh! Ah! C'est beau! Voilà. Ça ne sert à rien, mais au moins on y voit. Et voilà, il y avait des gens qui se plaignaient. Bob, on n'y voit rien dans cette maison de merde. Je suis d'accord, c'est aussi en partie de mes modes, c'est aussi en partie de tout, c'est aussi en partie de la vie, de l'amour. Et j'ai aussi donc la même fonctionnalité en touche rapide qui me permet d'invoquer le sort Mage Light. Vous savez, le sort qui envoie un truc de magie. Vous voyez, ça me pompe de la mana en bas à gauche. On voit la mana qui est pompée, regardez. Tout ceci ne fait absolument aucun sens, voilà. C'est pour ça, c'est la gratuité. C'est ça qui est bon, enfin bref. Du coup, chers amis, après toute cette installation et mon héros qui s'est fait pousser les cheveux, pousser la barbe, enfin il s'est pas fait pousser les cheveux, ça a poussé tout seul, naturellement, par la magie du montage, exactement. Et du coup, on va continuer à bidouiller la maison. Alors, je remercie les commentaires, notamment la personne dans les commentaires qui a précisé, un commentaire avec plus de 200 pouces verts, un truc de fou, qui disait « Bob, à côté de la table de travail, il y a... » le balai pour nettoyer la maison. Ouais, du coup, je l'ai renommé le balai à la con que le Lennon avait pas vu. Voilà, l'outil de la femme. Oh, ça parle mal. Ah, c'est pour ça que j'en ai plusieurs, putain. J'ai 4 gonzesses et il y en a pas une qui est venue balayer. Bob, elles savent pas encore où tu habites, tu leur as pas dit où tu allais et elles pensent que t'es dans une aventure extrêmement dangereuse alors qu'en fait tu construis des meubles. C'est extrêmement dangereux. Est-ce que tu as vu mon apparence? Est-ce que n'importe laquelle de mes aventures m'a déjà mis dans un état aussi lamentable? J'ai les bras en sang, j'ai le tétanos, j'ai une hache et je suis un malade mental. Kakakaka, tu commences à te parler tout seul, Lennon. Tais-toi, crâne. Tu as des cornes, c'est que ta femme crâne te trompe. Bref.
Ça veut rien dire. Le Lennon qui devient hirsute et qui devient fou. Du coup, voulez-vous passer 5 heures à balayer le sol? 5 heures à faire la maison? Bon bah, autant commencer. La 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 la. 5 heures plus tard. La 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 la. Fou. Heureusement que je n'ai pas bougé de mon point de départ, hein. Ça avait l'air extrêmement efficace. Du coup, voyons voir. Ah, 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 mais regardez ça. C'est propre. Il y a un tapis par terre. Je n'avais même pas découvert ce terre. Ah, attends, attends, j'avais pas renommé ça. Sous-sol. Voilà. Mais il n'a pas voulu. Rename object sous-sol. Bon, bah il veut pas. Dans tous les cas, c'est pas très rare, mais du coup... Ah, regardez. Enfin, c'est propre. Enfin, on peut s'asseoir. Ah, elle est sympa, hein. Vous avez vu, c'est la chambre de ma femme. Un petit peu de sexisme supplémentaire. Oh, allez. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui regardent ce playthrough et je vous remercie. Et je vous remercie aussi de ne pas vous offusquer. Je vous remercie parce que c'est vrai que je fais beaucoup de blagues de ce genre. Je m'en excuse, c'est vrai. Mais vous savez bien qu'au fond, je ne le pense pas. Au fond, je suis quelqu'un de raisonnable. Je suis pour l'égalité des chances, je suis pour tout ce que vous voulez. Évidemment, moi aussi, je veux qu'il fasse beau demain. Vous voyez, c'est pas un problème. Mais du coup, je vais pas me laver le cul tout de suite. C'est une évidence, mais je fais des blagues comme ça parce que je suis un vieux con et j'ai été élevé à coup de comment ça s'appelle, à coup de barbecue en plein été à manger des saucisses avec des familles qui, après une bonne soirée foot, mettaient les gosses devant Fort Boyard, devant une pizza jambon et nous racontaient bien des blagues bien salaces. Voilà, j'ai été élevé comme ça. S'il y en a plusieurs dans le sud qui ont été élevés comme ça, check les copains, ça fait plaisir. Enfin bref, j'ai aussi toujours l'orgue, voilà, je l'ai appelé l'orgue de Ganondorf parce que moi, ce que je me souviens, c'est que dans Ocarina of Time, Ganondorf, il jouait du l'orgue. Tu rentres chez lui, le gars, il a point, point, point. Il se tape son méga riff. Le mec, il fait sa propre musique d'ambiance. J'ai trouvé ça super. Attends, change. Drapes. Linge. Voilà. Raid. Yay. Je sais pas ce que j'ai changé. Oh, oh, A, O, U, I, A, Y. Oh. Mais c'est que c'est très 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 beau tout ça. C'est complètement swag. On s'en essaye en bleu. Essayons en bleu. Hop. Bleu, ça fait un peu plus. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Essayons en or pour la forme. Paf. Tatin, tatin, tatin. Ouais, c'est un peu trop tentatoire. Je sais que moi j'aime bien quand ça flash parce que j'aime bien les maisons qui accaparent tes yeux, surtout les salons. Donc pour moi c'est important. Je vais les mettre en rouge. Ne serait-ce que pour la cohérence de la chose, même si le tapis au sol. Et les décorations murales sont des décorations de... Je crois que c'est la garde de l'aube. Je crois que c'est ça. C'est pas important. Ou Sauvengard. Mais dans tous les cas, c'est pas mal. Putain, regardez-moi cette fonderie. Oh, qui fait couler du fromage liquide. C'est ça qui est bon. Putain, moi, ça m'excite, ce genre de truc. Alors, on reprend. Où est-ce que j'en étais? Bob, oui, effectivement. Où est-ce que tu en étais? C'est une très bonne question. J'en suis qu'on va aller à l'extérieur de la maison et allumer les bras zéro. Parce que quelqu'un aussi dans le commentaire a marqué « Tu peux allumer les bras zéro à l'extérieur en utilisant des selles de feu et une torche !» J'ai les selles de feu, j'ai la torche. Ta-ta-ta-la-ta. Ah putain, c'est bon ça quand même. C'est quand même une très bonne nouvelle, hein, d'avoir enfin trouvé le balai. Hein. Ah, il y a eu beaucoup de blagues sexistes à ce sujet. Et je remercie tous les gens qui ont posté des blagues sexistes. Mais je vous engueule aussi parce que c'est pas bien. Mais j'ai ri. Voilà. Le drama, le dilemme, tu sais. Ça, c'est le dilemme. Quand t'as un truc qui est horrible, mais ça vous est arrivé. Ça vous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Il y a un truc, on vous annonce un truc horrible. Et vous, nerveusement, vous rigolez, mais comme un connard. Et vous êtes là, je suis tellement un enculé. Ah, misère. Mais c'est la vie, ça. C'est la vie, c'est la vie. C'est pas tout blanc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas tout gris, c'est plutôt rose. C'est ça qui est bon. Du coup, mon mec, il est en slip, torse poil, et il laisse tout pousser, hein, la fourrure, dru. Il n'a pas eu de contact humain avec l'extérieur depuis plus de 8 semaines. Le mec a monté des meubles, il en a rien à foutre. Il a passé 4 heures sur une chaise Ikea, temps réel. Le mec, il est là, putain, mais j'ai pas envie de mettre des roulettes sous ce meuble. Mais les roulettes sont obligatoires, sinon le meuble, il coulisse pas. Le truc trop lourd, tu sais. Ça vous est tous arrivé. Hein. Pour ceux à qui c'est pas encore arrivé, ça vous arrivera aussi. Mailbox. On va renommer ça la boîte aux lettres. Voilà, boîte aux lettres. Sans aucune pitié. Alors, voyons voir. Lights, cons. Bras zéro. Je renomme tout, moi, maintenant.
Oh! Et c'est animé en plus. C'est quand même la classe. Eh ben, je vais en profiter pour moucher. Voilà. Bob, tu pourrais couper le micro comme tout à l'heure. Dans toute la dignité de la chose, non. Toutes mes excuses. Ça arrive, hein, c'est aussi la vie, hein, ça, chers amis. Pire de temps. Si t'étais pas torse poil à l'extérieur avec une torche, peut-être que tu choperais pas froid. Oui, mais regarde-moi cet homme. Duffman. C'est... Là, par contre, c'est l'homme qui stalle, que tu sais. C'est le gars qui retourne chez Moira. Ah! Qu'est-ce que vous voulez? Du tissu doré. Ah, putain. Le gars, il est 4h du mat. Il la réveille en lui caressant doucement la joue. Ah! Mais pourquoi vous êtes dans ma chambre? Il me faut de l'argile. Ah, putain. Oh! Pourquoi c'est tout enterré? Je peux pas le réparer, ça? Je suis persuadé qu'il est pété, mais c'est censé être un sauna. Ouais, c'est ça, c'est un sauna. J'avais pas réalisé, c'est vous qui me l'avez dit. Et ça aussi, c'est complètement niqué. Comment je fais pour le réparer? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je vais allumer les bras zéro. Ah, ça aussi, hein, ça aussi, c'est pété. J'imagine c'est pour des ruches, c'est pour des abeilles. Bob, pourquoi t'as arrêté de renommer les bras zéro? Parce que j'ai oublié, j'ai le temps d'attention d'une grenouille. Vous avez bien vu que que je suis pas quelqu'un d'extrêmement attentif. Voilà, quelqu'un plutôt dissident. C'est dans ma nature, c'est dans mes gènes, c'est dans mon amour. Allez. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Allez! Voilà. Encore un peu, on aura fini. Allez. Voilà! C'est ça qui est bon. Bon! Eh ben allons voir sur la... Utilisons la magie secrète. Ah ben je l'ai déjà activé en fait. J'ai déjà la lumière en fait, comme vous pouvez voir. Là il y a un bateau. Ah putain, je peux pas me servir de cet établi? Non, ni de ces caisses. Ouh, crête pâle. Qu'est-ce que j'ai fait? Une heure plus tard. Vous fouillez les caisses pour trouver quelque chose d'utile. Et trouver plusieurs outils et d'autres équipements. Ça vous prend un peu de temps pour créer une table de travail. Vous pouvez maintenant utiliser la table de travail pour construire des docks, un port quoi. Réparer le bateau et améliorer l'extérieur de la maison de Morksom. Oh shit! Il me faut beaucoup de matos ou... trois petits bois, des clous, pine tree log strip. Je sais pas ce que c'est. Deux pine tree log strip. Pine tree log strip, pine tree log strip. Je sais pas ce que c'est les pine tree log strip. Du lingot de fer, des gonds, de la serrure. Ouais, non, mais j'ai ça, Régis. Y a pas de souci. On va te le construire, ta baraque. Par contre, si Régis, il pouvait se calmer sur la cornemuse, ça ferait plaisir aussi. Voyons voir aussi là-bas. Et qu'est-ce que c'est que ça par terre? Donc, c'est de la merde. Une maison. Oh! Ici, c'est la maison de l'amour. Rappelez-moi d'y mettre Carjo et Aella ensemble. Bon, non, en fait, c'est pas une bonne idée. T'imagines le gars, c'est quand même ton maître, ton meilleur ami, le gars élu avec qui tu bosses depuis des... T'as vécu des aventures de fou avec, t'as une liaison avec une de ses suivantes qui est devenue sa femme par la suite, et le gars, il fait, allez, je sais que vous avez un truc entre vous, je vous laisse dormir dehors, alors qu'il fait moins 30, à côté de la mère, qui a moins 50 elle aussi, vous allez mourir de froid, mais vous allez bomb, chica, wow, wow. Ah, putain. Et ben, je crois qu'il est temps de couper du bois comme un homme. Sauf pour couper du bois comme un homme et comme un pyro barbare, il faut y mettre le feu. Ah, voilà. Regardez-moi dans l'effort. Tranche flamme. Est-ce que je peux m'arrêter? J'aimerais changer l'angle de caméra, c'est possible? Ah, je crame. Je crame. Oui, je récupère deux fois plus de petits bois grâce à ça. Ouh, yeah. C'est comme ça que je me tiens chaud. Il n'arrive pas à s'arrêter. Hein. Ouh, je vais mourir. Hein. Mais arrête pour l'amour de Jésus-Christ, arrête!
Pour l'amour d'Alduin. Ah, c'est bon. Ah, je suis... Non, non, arrête. Non. Oh my god. Oh my god. Oh la vache. C'est comme ça qu'on fait. Bob Lennon, quand il coupe du bois, c'est extrême. Extreme woodcutting. C'est dommage que j'ai pas ma guitare. Oh well, ça finira bien par s'éteindre un jour ou l'autre, c'est pas vraiment un problème ça, chers amis. Ça veut absolument rien. Ellipse. Re, chers amis, parfait. Après ce coupage de bois extreme, putain, ça pourrait passer sur M6, ça, les petites filles. Il est temps de ranger la bibliothèque parce que je portais sur moi un exemplaire de tous les livres que j'avais stockés. Parce qu'il faut savoir qu'au préalable, chers amis, j'avais rangé dans cette bibliothèque, dans cette armoire, tous les livres que j'avais en double ainsi que tous les parchemins. Vous voyez, cette bibliothèque est vide là, et j'aimerais pouvoir remplir ces bibliothèques là et ici avec vous, parce que ça me permettrait aussi de vous poser la question et de vous demander. Tiens, c'est marrant, ces bibliothèques ne marchent pas. Merde alors, et celle-là? Non, c'est bon, elle marche, vous pouvez encore placer 11. Ok, bah celles-ci sont buggées, c'est pas très grave, chers amis, je me démerderai. Toujours est-il que ça me permet aussi de vous demander quelle histoire vous voudriez que je livre, ou pour les connaisseurs des livres d'Oblivion, Morrowind, tout ça, si vous pensez qu'il y a des bouquins qui seraient sympas pour un épisode bonus, un conte, une série, n'importe quoi, on peut voir si je les complète et si je peux en trouver des exemplaires. Du coup, activation de la bibliothèque, je peux encore y poser 11 livres. Du coup, viens voir dans les livres. On va commencer par les 2920. Je crois que ça parle de l'histoire des tribuns. Alors, les tribuns, pour ceux qui ne savent pas, dans l'étymologie... Putain, j'en avais un en double. Dans l'étymologie... Elder Scrolls, les tribuns, ce sont les trois faux dieux, ou vrais dieux, ça dépend comment vous les voyez, qui se sont constitués sur l'île de Morrowind. Voilà, ce sont trois personnes qui ont absorbé le pouvoir d'un dieu, et qui sont donc devenus des demi-dieux ou des dieux, ça dépend de votre point de vue sur la question, et qui ont voulu remplacer les neuf, et merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, merde, il n'y en a pas assez, il en manque deux, c'est pour ça que ça tombe. Attendez, mais il faut que je range le dernier. Oui, ça va être un épisode organisation. J'ai vu qu'il y en a un. Il y en a un dans les commentaires. Un seul. C'est de sa faute. C'est entièrement de sa faute qu'a dit. Oh, moi j'aime bien quand même. Il range les. J'aime bien quand il fait des épisodes de rangement. Moi ça me détend. Yes. Du coup, tu vas payer. Ouais. Aux quatre coins du monde, volume 11. Abrégé de la vie du Ariel Septim 7. Aera et d'Adrea. Ouais, ça va être pas mal ça. Bam. Je le mets là. Et Alduin existe. Ah, mais je peux pas en mettre plus. Très bien. Tadam! Oh, c'est des gros bouquins, à la fin. Ça fait plaisir. Du coup, c'est dommage parce que eux, ils tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils tombent, donc je vais les récupérer. Mais on va essayer de mettre des gros bouquins plutôt. Genre l'abrégé de la vie d'Uriel Septime. Alduin existe. Je crois que ça, c'est des gros bouquins. Azura et la boîte. Ah, la véritable histoire de Barenzia. Grand ouvrage, ça. Grand ouvrage, chers amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, je peux encore en caler un. Biographie de la Reine Lou. Voyons voir. Ah, voilà, ça a déjà un peu plus de gueule. Je trouve. Voilà. La véritable histoire de la Reine Barenzia, ça pourrait être sympa que je vous lise la version non censurée. Parce qu'en fait, il faut savoir que la Reine Barenzia, c'est une, si je dis pas de la merde, c'est une haute elfe. Je ne sais plus. C'est une haute elfe, mais si je me souviens, elle a une liaison avec un Khajiit. Et elle, ça y était dans la version non censurée de Morrowind sur Xbox, première du nom. Mais il faut savoir que ça a été censuré par la suite et ça marque, et dans Oblivion tout ça, et que ça marque que oui, ce passage a été censuré par les prêtres de je ne sais plus quoi, d'une connerie de bibliothécaire. Et du coup, c'est un passage qui explique que les Khajiit, comme les chats, ont des picots sur la bite. Voilà, c'est... Voilà. Le mec il dit ça comme ça quoi. Mais voilà, c'est littéralement ce qui est dit. Donc là ça fait 7 plus 2, ça fait 9. Et il me faut encore deux récits si possible. Un Chiwama Mardium et Chronologie de la 3ème ère. Fais voir. Ouais, ça rend bien ça. Ça c'est de la bonne étagère ça.
Ensuite, les champs du retour. Voilà. Dossier, non, ça c'est des dossiers, ça m'intéresse pas. Effet des parchemins anciens. Esprit des draps. Expérience de l'anatomie des loups-garous. Oh, Fae Folken livre 1, 2 et 3. Fiori et Holgeir, voyons voir. Frontières, conquêtes et peuplement. Cette France que l'on abat, voilà. là, c'est une bibliothèque encore une. Mais du coup, voilà, je vous mens pas, ça, c'est ce que ça dit. Et c'est vrai que ça paraît logique, c'est des hommes-chats après tout. Je veux dire, ça serait pas logique s'ils étaient pas foutus comme des chats, vous voyez ce que je veux dire. Mais Bob, les cagites femelles ont des seins. Oui, ça fait aucun sens. Voilà, il devrait avoir des mamelles sur le ventre, au mieux, mais sinon ça fait aucun sens. Colb et le dragon, la badale A, l'amulette des rois, la nuée commentée pour les enfants, l'arrière-garde, l'art de la magie des guerres, l'espoir des Redorants, l'histoire de Drosira, l'aurore au château d'Exir, l'hérésie acturienne, l'importance de l'endroit, l'épreuve de Boétie, elle est stylée. Ah, je peux plus le caler. Ouais, c'est pas mal. Allez, de toute façon, on va les mettre un peu au pif, hein, il faut juste faire des belles étagères. Le chant de Pélinal, il m'en manque, c'est dommage. Le code de Malakka, le cœur d'Nikina et de Shirim, le dernier fourreau d'Akrash. Je crois que c'est une belle histoire ça. Le défi de l'armurier, le fléau du quartier gris, le grand ravage. Guide de l'apprenti, on peut pas en mettre plus. Voilà, ça rend pas mal. Quoique le code de Malakka fait un peu moche au milieu de tout ça, donc on va la refaire. En posant le code de Malakka en dernier. Alors, Mala. Hop, regardez. Ah merde. D'accord, ça... Ok, bah c'est un échec de ma part, écoutez. Hein. On va mettre autre chose. Je vais faire autre chose. Du coup, on va mettre Azir Astrazali. Allez. Voilà, ça passe mieux. Tout de suite, moi, ça me va mieux comme organisation de bouquin. Ensuite. Ah, des livres de sorts, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être dans l'étagère de droite. Légendaire sang Cretor, les gens livres en trompe de bord de ciel, les gens oubliés, du mail, marque noire, menace grandissante, je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'aimerais bien mendiant, voleur et roi. Est-ce que je les ai? Voleur et roi. Je crois que c'est les trois livres qui racontent la même histoire. Les trois premiers volumes. Mendiant, voleur et guerrier. D'accord, j'en oublie un. Fuck, j'ai fait n'importe quoi. Y en a combien là? Tac, tac, tac. 8, 10. Ah, il n'y aura pas assez de place. Donc on va prendre le lycanthrope. Non, on va prendre légendaire sans Cretor parce qu'il est moche. Et on va mettre guerrier. Ouais, je les ai tous. Super! Super, super. J'aime bien quand j'ai des séries complètes. Je sais pas vous, mais moi ça me fait des petits frissons. Ça me fait des petits frissons quand je vais aux chiottes. Voilà, voleur, roi, mendiant. Et guerrier, il est un peu plus tôt, je crois. Ouais, il est au début, ok, bon, tant pis. Mais du coup, voilà. Ils y sont tous, ça fait plaisir. Tue avant d'être tué. Spelltone, Rain of Fire. Je l'avais pas, ça. Revival juste, pensée de la phalène. Ombre dérobée, oblivion. Note de recherche, Minorme, livre du destin. Livre de sortilège. Les nains, volume 1, volume 2, volume 3. Voilà, c'est tout, y a pas de... Les lettres de Charwing et de Konige, livre 1 et 3. Putain, il me manque le 2, fait chier. Le récit argonien, oh ouais, what the fuck not. Ouh, le mystère de la princesse Talara. Je l'ai complet celui-là? Ah, je crois que je l'ai en complet. C'est bon ça. Ça c'est bon. Ouh, le Lorcan lunaire. Aujourd'hui c'est la vie de... Ouh putain, la reine louve aussi. Putain, alors ça c'est du bouquin ça. Là, c'est du bouquin. Là, il y a de l'art. Là, il y a de l'art, chers amis. Il y a de l'art et du cochon, c'est tout ce que je peux vous dire. La folie de Pélagius, la folie de chance, la guerre draconique. Non, je peux pas en mettre plus. Voilà. Voilà une belle ribambelle de bouquins. Ça fait plaisir de voir des étagères bourrées comme ça. Regarde ça. Regarde ça, on croirait presque que je suis sérieux. Cet épisode va durer une semaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai la place pour 2. Champ de bordel ciel revisité. Confection d'armure légère. Brrrah. Voilà, parfait. Activer bibliothèque. Attends, ouais, voilà, ça c'est à moi ça. Est-ce que je peux avoir plusieurs tomes si possible? La danse du feu. Putain, alors celui-là. Celui-là aussi il est super. Oh, la femme de chambre argonienne. Je ne résiste pas à l'envie de vous en conter quelques passages. Acte 4, scène 3, suite.
Lève la queue, c'est son nom argonien à la fille. Certainement pas, mon bon monsieur. Je ne suis ici que pour nettoyer vos appartements. Crantus Colto. Est-ce donc l'unique raison de ta présence ici, ma petite? Le ménage? J'ignore ce que vous voulez dire par là, monsieur. Je ne suis qu'une pauvre femme de chambre argonienne. Tu l'es certes bien, ma mignonne. Et très douée pour ton ouvrage, qui plus est. Des jambes musclées et une queue bien galbée. Vous m'embarrassez, monsieur. N'aie crainte, tu es en sécurité ici avec moi. Je dois finir de nettoyer, monsieur. Madame aura ma tête si je ne termine point. Nettoyer, hein? J'ai quelque chose pour toi. Tiens, polis donc ma lance. Mais elle est énorme! Cela pourrait me prendre toute la nuit. Prends tout ton temps, ma douce. Tout ton temps. Fin de l'acte 4, scène 3. Y'a respect ou y'a pas respect? Allez, je lis la suite. Non, reviens! Reviens, c'est une œuvre d'art, ça! C'est de l'art. Ça, c'est de l'art, quoi. Bon, c'est de l'art. Merde, comment il s'appelle? Ron Jeremy, mais c'est de l'art quand même. Lève la queue. Ciel, quelle grande baguette! Mais est-ce qu'elle rentrera dans mon four? Non, faut ne pas cette baguette tout de suite, ma mignonne. Il faut d'abord qu'elle gonfle. Si seulement nous pouvions hâter les choses, comment pourrais-je m'y prendre? Oh, ma pauvre petite femme de chambre argonienne, tu dois te servir de tes mains. Vous voulez que je pétrisse la baguette? Ici? Mais bien entendu. Mais que se passera-t-il si madame me surprend? Votre baguette était destinée à satisfaire son appétit. Ne t'inquiète pas, mon délicat bouton de fleur. Je satisferai les besoins de madame tout à l'heure. Très bien, mais j'ai peur que mon four ne soit pas assez chaud. Cela pourrait prendre des heures. Tu as tout ton temps, ma mignonne. Tout ton temps. Fin de l'acte 7, scène 2. Ce qui s'est passé, ce con, c'est que les argoniens ont le sang froid. Ah putain! Ah, autant mettre sa bite dans un frigo, ça ira plus vite. Voilà. Enfin, s'il y en a qui y arrivent, je leur dis... Tout mon respect. Voilà, c'est tout. Tout mon respect. Moi, perso, l'eau froide, voilà. Ah, putain. Ah, c'est du grand n'importe quoi, chers amis, c'est du grand n'importe quoi. La flèche noire, volume 1 et 2. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 2, ça fait 10. Très bien. Paf, 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 paf. Ok, il me faudrait un gros bouquin moche, comme ça. La ville de pierre, parfait. Brr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 r